C'est Laura Demand. Quel accueil. Salut Laura. J'adore. Ça va? Oui, bon, cool, c'est normal. Moi, ça va, ouais, ça va. Mais c'est normal que ça aille bien parce que vous êtes beau, voilà. Mais ouais, et quand je dis vous, je généralise, hein. Vous m'avez compris, ouais, Daniel. Oui, quand on est beau, quand on est beau. Oh pardon, c'est une petite balle perdue, c'est comme ça. Quand on est beau, on va bien. Nous autres, les autres. Quand on arrive dans la salle de bain tous les matins, c'est la déception. Bah voilà, c'est la même daube qu'hier avec un bouton en plus, comme si ça suffisait pas. Il est sur le nez. D'ailleurs, les boutons, c'est les seuls blancs du monde qu'on veut éliminer. En même temps, j'ai envie de dire pourquoi cette déception. 14,90€, c'est le prix d'une crème de nuit, pas d'un miracle. Alors que les canons de la nation, ils se réveillent tous les matins avec un orgasme. Oui, devant leur miroir. Oh, c'est qui cette bombe? Oh, qui me dévisage? C'est moi. Et oui, la nature est injuste. Certains ont des jambes magnifiques et d'autres ont des jambes. Et quand elles sont fonctionnelles, c'est déjà pas mal. Moi, les miennes, c'est pas des Rolls, mais des Fiat Panda. Voilà. C'est pas esthétique, mais ça fait le taf pour se déplacer d'un endroit à l'autre. Certains ont des tablettes de chocolat, d'autres ont des calendriers de l'Avent. Tu soulèves un pli, oh, un bout de gâteau. Un autre pli, oh, un bout de chips. Un fessier, oh, elles étaient donc là, mes lunettes. Eh oui, dans ton cul. Et cette injustice ne s'arrête pas là. Une étude a prouvé que les gens beaux étaient mieux payés et réussissaient mieux que les autres. Mais non. Et oui, je vous assure, 17% de plus pour les mecs, 12% de plus pour les meufs. De l'inégalité, même dans les inégalités. Ah, on est trop forts, les humains. Les gens beaux réussissent mieux que les autres, à ceci près. Il ne faut pas être trop belle quand on est une fille, sinon ça veut dire qu'on est stupide. Oui, on peut être et la belle et la bête. Alors, à la lumière de ces données, on comprend mieux le gouvernement Macron. Je veux dire, Olivier Véran, hot saucisse. Ouais. Bérangère Couillard, belle gosse de ouf. Dupond-Moretti, bon, mauvais exemple. J'ai envie de dire au PS, aux prochaines élections, au lieu d'investir dans des campagnes et des pistes cyclables, payez-vous Timothée Chalamet. Mais oui, c'est bien plus fédérateur qu'un programme, je veux dire. Moi, je ne suis pas un avion de chasse. C'est volontaire. Hein. C'est pour des raisons... c'est pour des raisons strictement écologiques. Je suis une bicyclette. Mais non, Laura, tu es belle. De l'intérieur. Eh ben, même pas, figurez-vous. Moi, je ne cède pas ma place aux personnes âgées dans le métro. Le prix du ticket est même pour tout le monde, Germaine. Je te paye ta retraite, ensuite tu veux mon siège. C'est quoi la prochaine demande? Du respect? Ah non. Une autre étude a montré que les gens considérés comme beaux par la majorité des personnes seraient en réalité des gens en bonne santé, avec un système immunitaire en béton. Voilà. Ouais, et ce serait cette chose invisible qui aurait grâce à nos yeux. Donc non seulement ça signifierait que la beauté est objective, ce qui est pour nous autres commun des communs, désespérant. C'est-à-dire, si on n'est pas dans les classements des gens les plus hot, ça ne serait pas juste une erreur d'arbitrage. Mais ça signifie surtout que la chirurgie esthétique, quand tu n'as pas le capital de départ, c'est comme prendre la pilule quand tu es enceinte. Ça ne sert strictement à rien. T'es moche. Voilà, c'est moche, mais il faut faire avec. Alors, chers auditeurs, qui êtes plus Hugues que Grant, plus Gisèle que Bunchen, d'accord, si vous voulez cartonner votre vie, arrêtez de lire genre du Christine O'Krent pour Brillant Société. Intéressez-vous à plus utile, genre Christina Cordula, tu vois. Inutile de refaire un MBA à 40 ans pour obtenir un meilleur salaire. Non, faites-vous une cure de MBA, magnésium, B12, acide aminé. Prenez soin de vous et vous deviendrez en bonne santé, donc beau, donc riche, donc heureux, donc maître du monde, donc breton, donc Bolloré. Non, tout compte fait, restez comme vous êtes. Quelqu'un de bien, ça suffit. Et arrêtons de lire des études, ça nous rend pas plus beaux. Merci Laura Demange. Elle est où et quand, Laura Demange? Alors, à Paris, au Théâtre du Gymnase, les mardis et les mercredis, et les 15 et 16 décembre, elle sera à Genève, au Pays de la Pluie.